Sœur Claire, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous fêtons un dimanche Saint Jean-Baptiste, la naissance de Saint Jean-Baptiste. C'est parce qu'il s'agit d'un saint tout à fait exceptionnel pour qu'il prime sur le dimanche, c'est dire, enfin ça ne nous empêche pas de célébrer la résurrection du Seigneur, mais en même temps, il faut remarquer que c'est le seul saint, bien sûr, à part la Vierge Marie, dont on fête à la fois la naissance, 24 juin, et la mort, le martyr, le 29 août. Il a deux fêtes. C'est dire donc l'importance de ce saint. Et je voudrais en commençant lire rapidement un passage d'une homélie de saint Pierre d'Amiens. La fête de ce jour, mes bien-aimés, qui dans le monde entier attire les regards, irradie nos âmes de la splendeur d'une lumière en quelque sorte nouvelle et d'autant plus éclatante qu'elle nous invite à célébrer aussi les prémices de notre rédemption et la naissance de la lumière véritable. Jean, en effet, devait naître d'une mère stérile et d'un père âgé, parce qu'il devait précéder par sa naissance admirable celui qui allait naître d'une manière unique. L'ami devait être le précurseur de l'époux, le serviteur précéder le Seigneur, la voix, le verbe, la lampe, le soleil, le héros, c'est-à-dire celui qui annonce la bonne nouvelle, devait précéder le juge, l'homme sauvé, le sauveur. Alors, vous avez toute cette litanie sur Jean-Baptiste et l'importance capitale qu'il a dans la mesure où il a précédé immédiatement Jésus et c'est le dernier prophète à l'avoir annoncé. On va entendre donc dans Saint-Luc chapitre 1 versets 57 à 66 où il est dit « Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils ». Élisabeth, très beau nom, alors d'accord, il y a une étymologie qui est très belle aussi à partir du grec. On dit qu'Élisabeth, bête, ça veut dire maison, et Élisa, ça ne veut pas dire le Seigneur, c'est ça le problème. Maison de Dieu, si on veut, mais en réalité, l'étymologie authentique, ça ne veut pas dire maison de Dieu. En hébreu, Élisabeth, c'est Elisheva. Et la première Elisheva n'est autre que l'épouse d'Aaron, prêtre du Seigneur, comme il est dit au livre de l'Exode, chapitre 6, verset 23. Aaron épousa Elisheva. C'est un très beau nom. Eli, ça veut dire mon Dieu, et Sheva, ça veut dire l'alliance. Élisabeth, Elisheva en hébreu, ça veut dire j'ai fait alliance avec mon Dieu, et mon Dieu a fait alliance avec moi. Voilà pour le nom d'Élisabeth. Elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Il faut se rappeler que, comme Abraham et Sarah, Élisabeth et Zacharie étaient stériles, ils étaient vieux, ils n'avaient pas d'enfants. Donc c'est un grand miracle que le Seigneur a accompli avec la naissance de Jean-Baptiste. Et que disent les voisins? Ils disent « Dieu lui a prodigué sa miséricorde à Élisabeth. Dieu lui a fait miséricorde en lui donnant un fils. » Et bien justement, ce fils va porter le nom de miséricorde, traduit aussi parfois par « grâce ». Parce que, on va dire en hébreu, les deux mots correspondent. Et d'ailleurs, le grec ici traduit le mot « grâce » en hébreu. Par exemple, ce très beau mot qu'on trouve au livre des Nombres, chapitre 6, verset 25, « Que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage et qu'il te fasse grâce. » Ça, c'est le nom de Jean-Baptiste. Dieu fait grâce ou Dieu fait miséricorde. Et les voisins le proclament dès sa naissance. Dieu a fait miséricorde, a fait grâce à ses parents. Et il va annoncer, Jean-Baptiste, sa mission sera d'annoncer que la grâce de Dieu est parmi nous, la miséricorde de Dieu est parmi nous. La grâce et la miséricorde de Dieu, c'est Jésus, bien sûr. Alors, il est circoncis le huitième jour, il était juif, ses parents étaient parfaitement obéissant à la tradition, surtout que le papa Zacharie était prêtre. Donc la maman était d'une famille sacerdotale puisqu'elle portait le nom de la femme d'Aaron. Et quant au père Zacharie, son nom veut dire Zacharie, celui qui fait mémoire de Dieu ou celui qui sait que Dieu a de la mémoire.
Et ça veut dire le prêtre finalement en hébreu. Parce que faire mémoire en hébreu, ça veut dire aussi célébrer. Je prends un seul exemple, mais on le trouve partout. Psaume 134, verset 1, il est question des serviteurs du Seigneur qui célèbrent dans la maison du Seigneur ou qui sont officiants dans la maison du Seigneur. Célébrer, officier, faire mémoire, c'est la même chose. Tout ça, vous le retrouvez dans le nom de Zacharie, qui lui-même était donc d'une famille sacerdotale, Zacharia. On trouve son nom, alors c'est pas exactement le même nom que le prophète, je pense. Le grec a transcrit de la même manière, mais le nom précis de Zacharie, on le retrouve au livre de Néhémie, au chapitre 12, où vous avez l'énumération des prêtres, au temps du grand prêtre Joachim. Et il est question de... Donc ce sont les familles sacerdotales, et il est question de la famille d'Iddo, dont l'aîné s'appelait Zacharia, dont le prêtre s'appelle Zacharia. C'est le nom Zacharie. Et on sait que Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, était prêtre, il célébrait Dieu dans le temple. Alors ensuite, le nom de l'enfant. Il voulait le nommer Zacharie comme son père. Alors le père ne risque pas d'intervenir parce qu'il est sourd, muet, parce qu'il a manqué de mémoire. Il faut aller voir le début de Saint-Luc. L'ange Gabriel lui dit « Tu vas avoir un enfant ?» Il dit « Comment ça va se passer ?» Il oublie de faire mémoire d'Abraham et de Sarah et des merveilles de Dieu dans l'histoire. Donc quand on n'a pas de mémoire, on devient sourd et muet. Donc lui ne dit rien. C'est sa maman qui dit non, on ne va pas l'appeler Zacharie, on va l'appeler Jean. Et les autres lui disent, il n'y a personne de ta famille qui porte ce nom. Bien sûr, c'est exprès, c'est un nouveau commencement avec Jean. C'est un prophète radicalement nouveau, au-dessus de tous les prophètes, parce qu'il va précéder immédiatement le Messie. Il est de la famille du Messie. Alors son nom va être Jean, même s'il n'y a personne de sa famille qui porte son nom. Et le père va retrouver la parole. Alors on lui demande par signe, parce qu'il est sourd, hein, comment il veut l'appeler, et il écrit sur une tablette parce qu'il est muet. Et dès l'instant qu'il a écrit sur la tablette, son nom est Jean, c'est-à-dire Dieu fait grâce et Dieu fait miséricorde, il retrouve à la fois Louis et il parle. Hein. Et la première chose qu'il fait quand il ouvre la bouche, il bénit Dieu. On aura quelques versets plus loin, le fameux Benedictus, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. La naissance de Jean est magnifique, c'est un miracle, c'est le témoignage de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre histoire, et c'est la bénédiction, l'action de grâce, la louange. Donc il parle et bénit Dieu. À la suite de ça, tous ceux qui sont là, tous les voisins, il est dit, sont dans la crainte. Je rappelle que ce n'est pas la peur, la crainte c'est lié à l'adoration devant un mystère qui nous dépasse. Donc les gens du voisinage ont conscience qu'avec Jean-Baptiste, quelque chose de nouveau va commencer. Tous ceux qui l'apprenaient étaient frappés, dit le texte, et ils disaient, quel sera donc cet enfant ? La main du Seigneur était sur lui. C'est ce qui est dit de tous les prophètes, mais particulièrement de Jean-Baptiste. Et ce dimanche de la naissance de Jean-Baptiste, c'est le dimanche où on célèbre la grâce, la miséricorde de Dieu à l'œuvre dans notre histoire. Sœur Claire, merci.